Olewa Kenuborgus Kenubugardusama. Ah, konnichiwa. Olewa konnichiwa. Okage Datebayo. Datebayo. Et Datebayo, ça pourrait se traduire par wesh. Je me doutais bien que c'était une connerie comme ça. Toi, t'es plutôt. Watashiwa, petit avion déçu. T'es déçu, mais par quoi? Mon gars, on a encore rien fait. Il faut pas être déçu. Dans la vie, ça ne vaut pas le coup d'être japonais déçu. Japonais s'arrête à l'art, hein, je suis désolé. Bonjour petit avion, bonjour à tous, bienvenue dans le Lunch Play. Aujourd'hui, un programme exceptionnel puisque nous allons, comme promis, tenter de Monster Hunter et Iceborne U avant la fin de la bêta. C'est si ça se trouve déjà trop tard. On ne sait pas, mais en tout cas, on va essayer. J'aurais bien voulu jouer avec vous si vous êtes dans le coin, à proximité. N'hésitez pas, évidemment, à lancer un petit message, un pavé à la mare, si j'ai envie de dire, une bouteille à la mer, pour venir rejoindre la session. De toute façon, je vais laisser une petite session ouverte. Et on va essayer d'aller profiter de cette bêta avant qu'elle ne le ferme, puisqu'il me semble qu'elle doit fermer à 13h. En tout cas, on va essayer de jouer jusqu'à 13h. Ensuite, Tite Avion nous a apporté pas mal de choses, faut le savoir. Pas mal. Bah, au moins un truc cool. Hein? Non? Oui, si, tu nous as apporté un truc cool quand même. Oui. Donc, très très bonne OST, Bayonetta 2. On regardera ce truc cool. Non, on va regarder à 13h. Fais mariner un peu les gens. Mais quoi, à 13h? Mais à 13h, c'est fini. Ah, midi, pardon. Oh là là, ok. Oh bah oui, mais sac à merde, man. Qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est pas de ma faute. C'est vraiment pas de ma faute. Revue de la bêta comme celle de Monster Hunter? Bah oui, c'est ça. Non, mais ça doit être bon, là. On doit être en mode... ça va marcher, non? Rassurez-moi. C'est censé marcher, ça finit à midi. C'est ça, ça doit finir à midi. Non mais à mon avis, c'est bon, on peut lancer une session. On peut lancer une session, on va tenter de se faire un Gigrex, un Bandaro, un grand Jagras. Non, faut partir faire du Jagras. Mais en fait, le Jagras, tu m'as dit, il y a un monstre caché. Il y a priori, oui, il y a moyen de rencontrer un combat secret. Putain, mais le Narga caché. Sinon, petit Mario Maker, ne vous en faites pas. J'ai pas encore pu y jouer à Mario Maker. 100% c'est possible. Je t'avoue que, alors, de ce que j'ai vu, les possibilités, ça a l'air juste dingue. Ah ouais, n'importe quoi. Mais on aurait dû me l'envoyer et je l'ai pas reçu. Ah, ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc je vais aller me l'acheter. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais me l'acheter parce que je pense qu'il vaut vraiment le coup, celui-là. Je pense aussi. Est-ce qu'on a des astuces pour que les gens jouent à nos stages dans Mario Maker? Bah, fais des bons stages. Faire des bons stages aide. Tu crées un perso dans la bêta? Ouais. C'est bizarre, dans la bêta que j'ai testé, il n'y avait pas un... Bah si. Enfin, tu crées pas un perso, tu prends juste un visage. C'est juste un Mais visage. Mais tu as quel âge? Bah quoi, rien. Oh là, moi j'aime trop la tête des petits chats. Ne spoil pas, hein, normal vous voyez rien. Alors, hier, on a été faire... En ce moment, je joue pas mal à FF14. Et tu sais, il y avait une collab entre les deux. Ouais. Donc t'as le Behemoth qui est arrivé dans FF14, ouais. Mais t'as le Rathalos qui est arrivé dans FF14. J'avoue. Et j'ai été faire la quête et tout, donc maintenant j'ai un palico. Et tu peux avoir... Et j'ai fait le combat contre le Rathalos. Trop cool. Il n'y a pas de tank. Le monstre il tape un peu où il veut, il fait des grands combats, des grands coups. Il faut l'esquiver. Et t'as des potions à utiliser comme dans Monster Hunter. Non! Et t'as les musiques de Monster Hunter dans FF14, c'est ultra stylé. Beaucoup plus plaisant que le Behemoth dans Monster Hunter, qui est une saloperie. Putain, mais c'est trop cool! C'est vraiment cool, petit avion, en vrai! Bah, en fait, la collab, les deux, elle est super cool, ils ont vraiment. T'as pris cette armure là? Non, mais après, je change. Donc, mesdames et messieurs, si vous venez ou si vous voulez nous rejoindre, la session C3Y6VR grand K, on ne la voit plus maintenant, évidemment, mais je vous assure, le nom de la session existe bien. Hop! Parce qu'il faut mettre le palico en surfeur. Palico. Oh putain, j'avoue, palico. Il est tellement stylé. Oh. Il a le petit baggy avec le galbut qui dépasse et tout derrière. Il est juste stylé. De The Baligo. FF14 a-t-il des défauts? Oui.
La première quête qu'on va faire, c'est un grand Jagra, hein, mais parce qu'on va essayer de trouver le secret du grand Jagra. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vais... Normalement, vous avez le son, il n'y avait pas besoin d'un double son là. Hop, on va couper ça ici. Et je vais en profiter du temps, si quelqu'un est proche en tout cas de sa PS4, pour faire un petit bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour Anti-Moustique, bonjour Soriel, hein, bonjour Sheko, bonjour Mister Sifi, bonjour à tout, bonjour Mex Flera. Ouais, c'est assez compliqué, j'ai l'impression que les minutes où tu postes tes niveaux sont très importants, car le seul moment où tu apparais quelque part dans les nouveaux. Ouais, c'est vrai, alors là, c'est vrai que voilà, c'est faire sûr. Remonter tes stages, si t'es pas un mec populaire et que t'as pas donné ton stage à tout le monde, ouais, bah c'est compliqué. Les partager sur les réseaux bonjour sociaux. Bonjour bonjour les Mings, voilà, bonjour Yenzo. Il y a tellement de stages à parce la minute. Non, parce qu'en fait, tu peux pas rechercher un stage par titre, par exemple. Tu vois, juste tu voudrais chercher un titre, je sais pas, le code recherche Kaizo, par exemple, ouais. est très utile. Bonjour Chrono, bonjour. Kaizo, tu vois, tu pouvais rechercher des stages un peu tutoriels, tu pourrais taper tuto, ou des trucs comme ça. C'est des choses qui pourraient marcher. Le problème de Mario Maker à ce multi, pour le moment, le multi, c'est une véritable horreur. Ah ouais, c'est une horreur. Ouais, c'est un Monsieur, un jeu Nintendo. Ouais, mais c'est ça. Alors, mais tiens, en vrai, c'est ça. En parlant de multi, on m'a dit que le multi de Sam Show était pas fou en ligne. C'est vrai ou... Bah, moi, si je joue avec des mecs qui ont une bonne couille, y'a pas de soucis. Ils m'ont dit que c'était une purge totale. Bah, en fait, tu tombes sur beaucoup de mecs, encore une fois, un peu trop random. Ouais. Le seul problème, c'est que tu vois pas si les mecs sont en Wi-Fi ou en câble. Il n'y a pas encore l'indicateur qui est là. Mais par contre, en ranking, dès que tu trouves un mec, tu peux le rematch à l'infini. Et du coup, tu peux faire des gros FT rankés où tu joues bien ta vie comme si tu avais ta pièce et apprendre bien les match-up. Et franchement, je trouve ça vraiment bien. Par contre, quand tu fais un match sans classement, bah, cette fonction, elle n'est pas là, la fonction rematch. C'est vraiment trop chelou. D'accord. Bonjour Chrono. Ça va Chrono ? Dans Chrono, qui est le meilleur t-shirt, on a quand même des t-shirts pas mal tous aujourd'hui, je trouve. Ouais, ouais, j'avoue. T'as quoi, toi ? Beyond Good and Evil 2. Beyond Good and Evil 2. Avec sa veste de vendu. Moi, je suis en Pokémon. Tu viens d'acheter, non ? Ouais, ouais, il y a encore le small dessus. Je sais pas s'il y a marqué Team Unit ici ou de l'autre côté, mais c'est ceux qui ont fait la cinématique qui ont reçu ce t-shirt-là, ceux qui ont fait la belle cinématique de l'E3. Mmh. Voilà, mon frère. C'est pour ça qu'il m'a filé. Très, très bon. Et moi, j'ai Akuma. Et toi, t'as Akuma. Uniqlo aussi, du coup. Bah, ouais. Très, très bon JDH, hein, d'ailleurs, dimanche dernier. Hein. Merci. Ouais. Merci, ouais, c'était vraiment, cool. Vraiment sympa, ouais. On espère vous revoir d'ici la semaine prochaine. Non, enfin d'ici la rentrée prochaine. Excuse-moi, mon très cher. Bien sûr, nous y serons. Donc personne ne rejoint. Donc d'accord. Ok. Donc personne. Le jeu. Enfin, la bêta est gratos, hein. Mais non, à mon avis, tout le monde doit être soit au taf, soit en train de regarder avec un téléphone. Personne n'est à proximité de sa PS4. C'est très bien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun chômeur, ni aucune personne en vacances. Donc tout le monde travaille. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, j'ai pas le jeu, ma télé est cassée, mon t-shirt est dans le plumard. Brandou, il dit j'arrive. Très bien. Je suis au taf, tout à fait, voilà. Je suis en vacances, mais j'ai pas de PS4, trois petits points. Putain, mais mal crâne, le pauvre. C'est tous les messages où on n'a pas de PS4. Oh là là, les pauvres. Tu vois, le stream, c'est là où on voit, c'est essentiellement des joueurs PC, hein, quand même. Hein. C'est là où la manne de joueurs PC qui n'ont pas de console de jeu et qui du coup ne peuvent pas découvrir en tout cas bah, la plupart des jeux extraordinaires puisque évidemment les trois quarts sont sur console Dragon avant. Dragon Quest 11 est sur PC en même temps, Nier Automata. En même temps ? Mais bien sûr. Elle n'était pas en même temps du tout, non ? 17 septembre, Dragon Quest 11, PC, PS4, 100%. Ah ouais, mais elle est sortie au Japon avant, mon gars. On est sans la version PC. On est bien à parler japonais dans cette pièce, au moins, mais la plupart des gens ne parlent pas japonais. Ah, mais la première version, elle n'était pas sur PC. Mais en Occident, il est sorti sur PC en même temps. J'en profite, ça parle de jeux PC, pour profiter, partager un bon plan en ce moment sur Steam, vous avez The Quiet Man à moins 50%. Même à ce prix-là, ça vaut pas le coup. Mais bien sûr que ça vaut le coup. Même à 90%, ça valait pas le coup, je pense. Merci pour tes bons plans, en tout cas. De rien. Ça fait toujours plaisir. Ce qui amène le jeu à 7,50€. Voilà. Putain, c'est 7€ de trop. Qu'est-ce que c'est que cette coiffe coupe de cheveux ? C'est la coiffe de l'Anjanat, le nouvel Anjanat. D'accord. Et ouais.
est assez stylé. Là, je me fais un petit mix. Pour avoir... vulnérabilité, ça me sert pas à grand chose. Je vais prendre un petit marathonien. Ouais. Ah, moi, ça me tue de devoir... Ah, Ada est avec nous, ça merci. Ça me tue de devoir mélanger les armures pour avoir les bonus que je veux. Pour moi, une armure, c'est un set complet, quoi. Eh bien, c'est pour ça que le jeu prévoit des skins d'armure. Ouais, mais voilà, je... Donc, tu peux mélanger ton set, mais avoir le skin cool. Et je pense qu'il... Ouais, mais c'est des démarches. Moi, je veux équiper un set complet. D'accord. Tu as envie de faire chier le monde, en fait. Mais c'est important, voilà, c'est... Le glamour avant les stats. Ah ouais, t'es un mec comme ça, toi. Ah ouais. Donc on a Adaon qui est revenu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui projettent de revenir ? Très bien, Nova Prime est avec nous aussi. Impeccable. Pourquoi le chat a une planche de snowboard ? Pourquoi ton chat n'a pas une planche de snowboard ? Alors, Uniqlo qui font partie des plus gros pollueurs du fleuve Citarium en Indonésie, au plomb, autre perturbateur endocrinien. 150 000 en gants meurent de diarrhée tous les ans à cause de la pollution, nous dit Nailvis. Voilà, Uniqlo qui tue des gens, sachez-le. Mais qui ne tue pas des gens, en fait ? Je crois que c'est ça la vraie question qu'on peut se poser. Mmh. Voilà, il m'a déprimé. Super, merci, merci Nailvis. Merci beaucoup, ça me donne envie de chialer maintenant. Attends, dans deux secondes, je vais lui dire que je suis allé chercher mon t-shirt Uniqlo en 4x4. Est-ce qu'il y a d'autres rabat-joie ici qui veulent... Il y a d'autres rabat-joie qui veulent rajouter quelque chose. Hein ? Il faut savoir aussi que parfois, les raisins français, hein, pourtant bio, font mourir des gens de diarrhée tous les ans. Et pourtant, on en parle très peu. Et oui, c'est terrible. Voilà, bon, maintenant je suis déprimé. On enlève nos t-shirts. Bah, je pense qu'il faut les brûler sur la place. Voilà, publique. Bah non, ça va polluer visiblement. Faut plus aller acheter chez Uniqlo. Bon, moi on part. Hein. S'il y a personne qui est là, hop, c'est parti. Alors, ne tuez pas le Grand Jagras. Ouais, on va pas tuer le Grand Jagras. On va essayer d'aller chercher le Narga. Regarde, on stream, on allume notre PC toute la journée. Là, en plus, il y a des serveurs qui nous truquent. Ça se trouve, c'est chez moi, c'est deux PC, la clim. Je suis le pire. C'est terrible. Sinon, il aurait fallu vivre dans la forêt et ne rien faire, quoi. Moi, je pense que... Non, mais acheter d'occasion, c'est bien. Hein. Pour de vrai. Hein. Ok, mangeons un petit coup. Changeons déjà cette putain de... Pardon, caméra. Je ne supporte pas la caméra dans ce sens. Hop, inversé. Oh, petit avion a entendu du japonais, il a immédiatement baissé le son. C'est terrible. Hop, fla. T'as mis le jeu en japonais. Bah évidemment. Toi, t'as mis quelle langue, petit avion ? La VF est plutôt bonne, moi. La VF est bonne, mais tu sais, moi j'ai mis la langue Monster Hunter parce que c'est la VO avec des gros guillemets. Ouais, mais moi ça m'énerve. C'est vrai que c'est énervant. Tu peux pas mettre la langue Monster Hunter dans le DLC Witcher 3. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais ce qui est drôle, c'est... en fait, il n'y a aucune langue avec une bonne synchro labiale sur ce jeu. Aucune. Zéro. Je les ai toutes testées. Parce que moi, je suis très frustré de la synchro labiale. Ah. Ah non, il n'y en a pas. 100%. Ah oui, 100%, il n'y en a pas. Complètement zéro la synchro labiale. Monster Hunter. Donc là, je suis en mode framerate. Donc vous pouvez le voir sur PS4 Pro maintenant avec... Tu peux savoir si le Narga est dans la quête en regardant le texte de la dite quête. Il doit y avoir marqué un autre monstre se promène. Un truc comme ça. Oh merde. Tu sais où on voit ça ? Quête. Info quête ? Information quête. Le texte de la dite quête. Grand Jagras. Arthio, Redmi Note 7, je dirais encore aujourd'hui. Redmi Note 7. En regardant le texte de la dite quête. Ça se trouve, il est pas là. Quoi, c'est au pif ? Des fois, il est pas là ? C'est pas vrai. Voilà, ils ont vu le Grand Jagras qui est là, qui est en train de manger. Mais, ouais, on m'a compris, il a bouffé, mais on s'en fout de lui, il est zéro. Attends, fais start. Je fais start. Enfin, non, pas start, raffiche la carte. Raffiche la carte. Fais triangle. Triangle. D'accord, non, c'était vraiment ça. Tu penses qu'il est pas là ? Moi, je pense qu'il est là. Mais qu'il triangle, tu fais triangle quand t'es sur la map. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. Ça fait rien. Mais là, il n'y a pas affiché un autre monstre. C'est ça, normalement, parfois, c'est vrai que normalement, il est censé afficher au moins autre monstre disponible sur.
dans la quête. C'était avant dans l'écran de sélection. C'est-à-dire qu'il faut relancer la quête jusqu'à... Non. Si jamais il est du côté de la zone 8, voilà, on nous dit. Bon, on va jeter un œil dans la zone 8, on verra. Écoute, bien. Écoute, on va aller voir. Mais j'avoue qu'avoir un petit framerate un peu supérieur, là, c'est pas désagréable. Hein. Elle faisait pas ça avant la PS4 Pro. Le framerate comme ça ? Si. Mais si. Ah ouais ? Ouais. T'as trois choix, en fait. T'as soit la... Dans l'ancien aussi ? Ouais, ah, dans ouais. Le world, ouais. Oh, je m'en souviens tout pas fait, du tout, hein, sans déconner. Tu tournais à 40 images secondes, à peu près. Putain. Soit tu déverrouilles le framerate avec une définition en Full HD, soit tu mets en 4K en plus joli. Ou il y a une troisième option, j'ai oublié ce que c'est d'ailleurs, tout à l'heure. C'est une sorte de super sampling. T'as graphisme, ouais. Framerate. Et définition, voilà. En graphisme, en fait, c'est juste que tu as des effets un peu supplémentaires avec des adoucissements des ombres, etc. En framerate, ça essaye de target le 60, même si bon, ça n'y arrive pas forcément. Et en définition, ça le met en 4K par checkerboard rendering. D'accord, donc c'est du faux 4K. Ouais, sur PS4. Sur Xbox One, je crois que c'est du vrai, par contre. Mais bon. Alors là, il est censé y avoir un Narga aux alentours de la zone 8. Putain, il y a des écofacts ici. C'est des écofacts de quoi, ça? C'est l'Anjanat, ça. Ouais, ça, et c'est non. 100% ah, oui, l'Anjanat, oui, putain, ouais. 100% l'Anjanat, ça. Bah, s'il y a un Anjanat, il n'est pas précisé. On est d'accord, donc ça veut dire que l'autre est potentiellement là aussi et qu'il n'est pas précisé. Complètement. Ça aussi, c'est de l'Anjanat, ça, cette merde. Cyrus, pour moi, c'est le OnePlus 7 Pro. Ah non, mais me parle pas de ça, là, j'ai entendu les pires trucs sur le téléphone, là, justement, ce week-end. Sur le 7 Pro ? Ouais. Ah bah vas-y, dis-moi, parce que je l'ai depuis bien avant la sortie. Quoi, le téléphone se briquait. Ah bon ? Ouais. Ah ben, écoute, je n'ai jamais entendu ça, ni de retour, même sur les forums, j'ai pas lu ça, donc je sais pas. Un mec qui se plaignait de son OnePlus 7, justement. Ah ben, peut-être que le mec n'a pas eu de chance, hein, comme ça peut arriver avec n'importe quoi, mais en tout cas... Je pense qu'il n'a pas eu de chance. Ouais, je pense aussi, parce que ça, c'est pas un retour que j'ai eu. Alors attends, parce que moi j'entends les mecs s'exciter. Pourquoi ouais, s'exciter? Un combat, est-ce qu'ils l'auraient trouvé? Ils n'ont pas trouvé le Narga, je l'aurais vu. Enfin, en tout cas, ils m'auraient indiqué qu'il était là. On regarde la Ada est ici. Il est en train de sauter. En fait, ça se trouve, il y a juste un monstre qui t'attaque, toi, un vieux petit pion. On va aller voir dans zone 9, mais ça sent le pas de Narga ici. Hein. Après, il y a des traces d'autres monstres. Là, par exemple, c'est quoi? C'est une trace, ça aussi? Ah mince, il y a Wonka qui dit que si y a un Anjanat, c'est mort parce qu'il peut avoir que 3 monstres au total sur la map. Et si c'est ouais. Anjanat qui laisse sa place au Narga, et Rathalos reste en haut de la map. Ouais. Donc voilà. D'accord, donc en gros, c'est vraiment random s'il y a l'Anjanat. Et on voit d'autres types de. Tu vois d'autres types de minerais aussi qui n'existaient pas avant. Bon bah tant pis, hein, on va se faire le Jagras. Hein. De toute façon. Ce sera pas 7-3 pour le dérailler en 2 secondes. Hop, je vais plutôt passer par là. On a vu, j'ai grâce. Donc ça c'est random, du coup, c'est vraiment, vraiment relou. Hein. C'est un combat secret. À peu près aussi relou que Nail Vis. T'as retenu son... Ah oui, il est là. Ah oui, il est en train de continuer. Ah là là. Salut, bah, de toute façon, c'est le problème, c'est l'Asie du Sud-Est, putain. Ils font pas attention à l'environnement. On peut plus rien apprécier de nos jours. Oh, mais moi, à chaque fois que je prends un truc ou que j'écoute un machin, je culpabilise. Ah, moi, je culpabilise pas, mais on essaie de me faire culpabiliser, ouais. Ah, le coca, c'est des négriers. Ah, ceci, c'est cela. Ah, ouais, carrément. Ah, on m'a sorti des trucs tout le temps, mais après, peut-être que c'est vrai, mais en fait, le problème, c'est que. Si je commence à pas boire de coca que j'adore parce que leurs ancêtres, c'était des négriers, ben, je vais plus rien faire de ma vie, quoi. Et bah fais ça, c'est mieux, tu vivras plus heureux, je pense. En surtout sans rien. Bah sans coca, tu vivras plus heureux, ça c'est oui, sûr. Oui, plus heureux, je sais pas, plus longtemps, potentiellement. 100%. Il est où cette sale bête? Donc il y a les nouveaux coups, hein, qui sont disponibles. Pas dégueulasse, notamment tirer la fronde direct pour mettre direct la level 3, mon gars. Ça c'est tellement bien. Donc vous avez pas mal de possibilités sur beaucoup de nouvelles armes. Enfin des anciennes armes, vous avez beaucoup d'autres moyens de vous déplacer avec le grappin qui est maintenant accessible tout le temps. Et hop, tu vois, tu peux aller sur le monstre pour aller le fla. Évidemment, quand ce dernier fait une attaque, eh bien votre grappin n'est pas si efficace. Mais sinon, hop,
tu arrives et chaque perso a des attaques supplémentaires grâce à ça. Ce qui permet notamment d'aller le chercher lorsque ce dernier n'est pas là. Mais le fait de pouvoir tirer une fronde après l'attaque dégainée pour mettre directement cette attaque là, qu'est-ce que c'est fort avec la Great Sword. Pour l'histoire du grappin là qui permet de sauter par-dessus le monstre, est-ce que ça veut dire que ça te permet avec des armes, moi je dis de la Volcoache. Ouais. Est-ce que ça veut dire que ça te permet avec des armes comme la Volcoache à ta guise sans avoir à utiliser les tirades de pouvoir grimper sur le monstre de ton grappin? Mais 100%. Mais alors après, c'est un grimpage spécial, tu vois. Déjà, tu peux le sortir dégainé, tu vois. Ah oui, c'est vrai que ouais. Et tu vois, par exemple, je sais pas, bon là, il est en train de me bouffer, donc évidemment, je vais jamais pouvoir sortir de là. Casse-toi, caméra Sama. Mais là, tu vois, hop, j'appuie dessus, tu vois, je déclenche les objets avec le grappin. Et là, hop, une attaque spéciale, et là, plus chaud, plus ça va faire de dégâts. D'accord. Et t'as vu, il y a un nouvel indicateur sur les dégâts, des petits triangles autour. Tu sais ce que ça veut dire ? T'as bien visé. Tu penses que c'est ça ? Je sais pas pour le coup. Les petits triangles autour des dégâts. Ça serait bien de faire quelque chose pour le micro qui est pas vraiment top. Ouais, putain, on fait ce qu'on peut. Hein. Est-ce que vous avez un peu de son du jeu quand même ? Explain. Vous savez que les micros font partie de ceux qui polluent le plus. Ouais, si on utilise un autre micro, malheureusement on tue des bébés phoques, donc on peut rien faire. Alors juste pour répondre à Hollywood Next, oui, le Galaxy S10 c'est un bon smartphone. C'est pas celui que moi je préfère pour plusieurs raisons qui sont relativement personnelles, mais c'est une valeur sûre. Les raisons que Samsung ne t'arrose pas. Ah non, personne ne m'arrose. J'ai acheté tous mes Galaxy. Ah, c'est à la sortie donc, alors que 3 mois après le truc n'est pas. Ah ouais, mais j'avoue, la perte de machin. Perte de rentabilité. Au grand Jagras. Bon, on n'aura pas trouvé du coup le terrible Nargacuga. C'est bon, bien boum, allez, 710 en pleine gueule, merci. Et derrière, voilà, à mon avis, la grippe a acheté gratos. Oh, j'ai raté sa petite queue. Mais tu vois là, pour l'éviter de s'enfuir, hop, tu peux regratiner, tu vois. C'est pour ça qu'on voit dans cette dynamique de simplification entre guillemets. Exactement. Accessibilité. Bah, ça donne d'autres possibilités. Après, les monstres ont aussi d'autres possibilités, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est pas comme si. Ah là, c'est pas comme si c'était reposé sur les lauriers. Il a pas craché les gemmes. Et la mort. Oh là, je pensais vraiment qu'il allait crever. Hein. Ils sont tellement en train de dérailler. Oh, il est encore dessus. Le son du jeu a l'air trop fort. Le son du jeu est trop fort maintenant. Impeccable, je baisse. Dites-moi, j'essaye d'adapter parce que plus vous avez de son du jeu, plus vous êtes, eh bien, relativement en mode pour écouter. Bam. Et voilà, partie détruite. Ce grand Jagras n'aura fait qu'un seul petit pli. Le son est hyper fort, d'accord, ok, j'ai baissé les gars, j'ai baissé, mais j'essaie d'ajuster parce qu'il faut quand même qu'il y ait du son du jeu, sinon vous entendez de la réverb. On est là. Évidemment, Nelvis, c'est un tapator, mais on ne vit plus. En plus, t'es sur Twitch, Nelvis, hein. c'est quand même un site d'Amazon. Est-ce que tu sais qu'Amazon fait partie aussi des plus grands pollueurs et réchauffeurs climatiques de la planète? Pratique des conditions de travail désastreuses pour tous les employés à la limite de l'esclavage. Est-ce que t'es au courant ? C'est terrible, mais je pense que si on s'y met tous, on pourrait tous quitter Twitch et le monde serait meilleur. Y a non, pas de... non, faites pas ça. Hein. Non, Ken, qu'est-ce qu'il dit ? Et oui. Ouais, là, on est sur console, uniquement sur console. Bon, tu vois, à chaque fois que vous terminez du coup une des quêtes, vous avez un pack que vous pourrez utiliser après pour la version Iceborne. Donc ça, c'est très très bien. Non, très très bien. Ah, ils ont changé enfin le 6 septembre 2019. Parce que quand ils ont sorti la bêta, ça mettait le 6 janvier. Ah ouais ? Oui. Wouah ! Mais je l'ai déjà acheté le jeu, je ne veux pas acheter le machin. On tous sur Mixer. Ouais, Mixer est peut-être la plateforme de streaming la plus responsable de la planète. Parce que tu sais que Microsoft, non seulement grâce à leur t'sais, Bing et tout ça, ils replantent des arbres. Pour de vrai. Alors, j'accepte la quête.
Normalement, est-ce que j'ai encore des mecs? Ah, il y a un mec qui est parti, malheureusement, il a fait dissoudre. C'est un vieux réflexe, ça, de faire dissoudre. Faut pas faire dissoudre. On attend, du coup, pour faire le ban de barreau. Tu l'as fait, toi, si t'as vu en ban de barreau? Oui, j'ai fait ban de barreau. Il est rigolo, hein? Il est cool, ouais. C'est le Tigrex qui m'a mis très très mal, par contre. J'avoue. Périscope, c'est quoi Périscope? Périscope, c'est Instagram maintenant? Non, c'est si. Twitch. Non, c'est Instagram, Périscope. Ah, c'est Instagram? Périscope, c'est Instagram. Ou c'est Twitter? Non, Périscope, Périscope, c'est Twitter. Twitter, c'est ce que je voulais dire. Twitter. J'ai dit Twitch, mais je voulais dire. Oui, Instagram, c'est Facebook. Ouais. Et Twitter, ça appartient à qui? À Twitter. À Twitter? Twitter ouais. N'appartient à personne? Non, je Twitter, ça appartient à Coca-Cola. Étonnant! Je pense pas. C'est très étonnant. Voilà, d'un point de vue de l'équipement, on va changer, évidemment, puisque c'est toujours mieux de faire le ban de barreau avec l'armure du ban de barreau, qui est trop stylée. Regardez ça, quand pue la classe. On va se mettre une petite cape immuable. Vous avez vu que vous avez des joyaux sur les capes, mais surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez, il y a des joyaux 4 maintenant. 4 slots. Ah oui. Ça veut dire qu'on peut encore pouvoir refarmer des joyaux, mon gars. Ça, c'est la tenue ban de barreau, madame. Ouais, ban de barreau, madame. Je préfère la version monsieur. Mmh. Elle est glorieuse. Bah, la version monsieur, on dirait vraiment viking, viking, tu vois. T'as plus qu'une demi-heure, tu devrais faire le Tigrex, nous dit Darkseid. C'est vrai qu'on a plus beaucoup de temps. Bah, d'ailleurs, on va lancer, hein. Allez-y. Hein. Si on n'a pas... Bon, je pense qu'ils nous kickeront pas. Là, on va le tuer en moins de 20 minutes, hein, lui. On va le tuer en moins de 20 minutes. Ouais, farm de joyaux, j'ai toujours que deux joyaux d'attaque de toute ma vie. Je fais ma... Ouais, j'ai l'impression que tu fais un peu ton travail J'en profite pour faire mon suivi de mail professionnel en même temps. C'est ça. Darkseid, t'as peut-être raison. Ok, ils sont prêts, départ. Bon, on file au ban de Boron, même si il y a d'autres monstres hein, dans la quête, notamment le Gyatodus, enfin le Juratodus de... Ouais, le Nodzamtrios. Le Nodzamtrios, c'est ça. C'est ça. Exactement. Oula, le danger. Tellement c'est mal. Le drame. Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, et franchement les nouvelles attaques, c'est tellement ouais, tellement bien. Tellement d'autres choses qui arrivent. 50 heures à farmer les joyaux, c'est pas grand chose, mais avoir des joyaux d'attaque, c'est une chance. Alors la nouvelle map de glace est vraiment stylée, elle est remplie de sources chaudes. Lorsque vous baissez dans les sources chaudes, vous avez des bonus. Hop, regarde. Paf. Et qui dure moins longtemps qu'une boisson. Ouais, quand même. 100%, c'est-à-dire moins longtemps que la boisson. C'est un peu dommage, mais bon. On va manger quand même. Hop. On n'a pas le temps de voir la bouffe. Hein. Notre target est là. C'est trop cool le costume palico. Il veut rien dire du tout. Et t'as vu que si tu recules derrière, regarde, va derrière. Voilà, approche-toi. Normalement, le palico, il va se mettre à côté de la petite sacoche. Là, là retourne, recule. Où ça? Là? Ah oui, d'accord. Bah, tiens, il s'est pas mis, ton palico? Bah, il n'y a pas de palico, je suis à 3. Ah, c'est dommage. Parce que ton palico serait mis là, il t'aurait donné le sifflet pour appeler le pet, tu sais, il chevauchait. Ah, mais attends, c'est pas au bout d'un moment que t'as ça? Non, donc, dès le début, en fait, il suffit d'aller vers ça, et le palico va dire, ah tiens, tu veux le sifflet? D'accord. Et après, tu repars avec lui, et là, tu peux l'appeler directement, la bestiole. C'est la peau à miaoustre. La peau à miaoustre. Mais oui, c'est trop cool d'avoir le monstre qui va te diriger directement vers le monstre chassé, quoi. C'est vraiment, vraiment bien. Je l'ai de base, le sifflet, bah, je ne sais pas où il est. En tout cas, sachez que grâce aux nouvelles fonctionnalités liées au grappin dégainé, vous allez pouvoir avoir une meilleure rentabilité, je trouve, de ces couteaux-là. Les couteaux à paralysie, les couteaux de machin, tous les types de couteaux. Est-ce que tu peux sauter et utiliser un couteau? En fait, je peux mettre les couteaux en combo et du coup faire des combos qui entraînent des dégâts de paralysie ou de poison, ouais. C'est vraiment un raptor serre. C'est un raptor serre, c'est ça. Donc là, voilà. Excitation du bain de barreau. Donc ça, nouveau monstre qui est... Tu vois, là, hop, je lui ai mis de la paralysie, tu vois. Juste comme ça, je tape, hop, paralysie. Et là, j'ai directement accès à ça. Ensuite, après. Et dans deux frames, à mon avis, le Pokémon, il va être paralysé, là. Hop là. Fin de barreau, ça m'a... Tu vois, paralysé. Et après, tu continues ton combo, en fait, sans avoir d'interruption. Exactement. Et ça, c'est trop stylé. Ensuite, après, je change. Tu vois, je m'équipe du poison. Et je peux refaire le combo en lui mettant du poison après. Hop, t'as vu, je lui ai mis une douille de poison.
Hop. Mmh, pleine figure. Il m'a quand même un peu touché. Un peu touché. On voit que t'es à l'ancienne, parce que moi je lock les ennemis quand je joue. Oh là là, oh là mon dieu dans Monster Hunter. Ouais. Oh, faut jamais faire ça. Oh là là. Ah si, en plus, si tu si tu stream et que tu lock, mon gars, je te prie de croire que... C'est terrible. C'est terrible. Les gars, déjà que Monster Hunter, c'est une communauté très tolérante. Ça va mieux depuis World. De base. Ça va mieux depuis World. Ça, moi, je vous dis, je veux dire que la première fois que j'ai testé MH4 sur stream, enfin sur Twitch en stream, ouais. Je suis tombé en frontal sur la communauté de Monster Hunter. Ouais. C'est, bah, c'est chaud, hein. Tu stream et c'est pas du rangé, pourquoi tu stream? Ouais, c'est ça. C'est pas du quoi? Du rangé. C'est les monstres, le mode très très dur, quoi. Ah oui. Mais ça, bah, je découvre, puis on s'en fout. C'est un peu ça. Ah mon combo et bordel. Dauntless c'est très bien aussi. C'est plus immédiat comme fun. Il y a moins besoin de farm, c'est un peu plus arcade. Mais voilà. C'est-à-dire en attendant Iceborne, Dauntless c'est gratuit, c'est très bien. J'avoue. Tu as joué un peu? Et un peu ouais. Je joue un peu, mais bon évidemment. Je suis investi dans Monster Hunter. Tac. Tac. Mmh. Et t'as vu, les cornes sont pas point faible. Hein. Je crois que ça va être le bas de sa crinière qui est point faible. Il a crié? Ouais, il a 100% crié. Très bien. Impeccable. Oh, bien joué, vas-y. Oh, il est tellement dessus. Par contre, il s'est fait... il s'est fait stopper. Un petit 156 à la fin. Fait tellement du bien. Oh là, il est pas bien. Ah, le cri. Vas-tu t'enfuir? Il s'enfuit. Et tu vois là, si tu cours assez vite, avec le grappin, tu peux aller le rechoper là. Ouais. Et ça permet vraiment de contrôler un peu plus la fuite des mobs. Bon, globalement, là, on te donne du stuff gérant en plus, donc quand même assez sympa. Calme-toi, mon pote. Là, je devrais pas faire ça, là. Tu vois, je vais sûrement faire éjecter. Voilà. Mais de toute façon, le curseur t'indique si c'est à peu près bon, à peu près pas bon. Mais bon, c'est... À mon avis, il doit y avoir pas mal de phases où ça peut être très intéressant d'aller venir les s'adapter, justement. Et tu vois, d'ailleurs, ils s'en donnent plus ou moins tous à cœur joie. Bonjour. Ah là, cette arme. Bien quand il ratisse. Il ratisse avec un bout d'arbre. Ouais. Tout va bien. Bon, là par contre, il s'est un peu stoppé. Est-ce que je vise la queue? Je l'ai 100% pas. Ouais. 100% je l'avais pas. Encore trop loin là. Ouais. Là je regarde les nouveaux mouvements de la Charge Blade. La volée. Il bouge trop ou il bouge pas? Bon, c'est bon. Allez, bon. La max! Ah! 470. Alors attends, parce qu'il me semble que j'ai de quoi l'immobiliser un peu. Voilà. On va le calmer. Ça ne bouge pas. Hop. On va travailler un peu la queue. C'est bon, j'ai tout bouffé. Hop là! Madame Sémousse. Il te le précise. Oh là là, ce tacle qu'il a mis au sol. Merci. Petite queue. Hein? Petite queue. Putain, dommage. Tellement lui faire la queue. Ah oui. Arrête de crier. Il est sur Game Pass PC? Le Monster Hunter World? Ouais. Pas sûr. Je suis pas sûr. Hein. Et puis alors les saves entre Windows Store et Steam sont... Non, c'est pas compatible. Je ne peux pas. Ça, c'est... Il me semble qu'il est dans le Game Pass que sur One, pas sur PC. Ouais, je crois qu'il est que sur One, c'est ça. C'est terrible. Et oui, la communauté PC, c'est plus Steam. Mais bon, comme le jeu, ils l'ont... 5 mois après là. Autant vous dire. C'est bon, t'as fini là de t'exciter avec ton rocher? Est-ce que moi je m'excite avec mon rocher? Ferrero là. Ah, j'étais
persuadé que j'avais tapé assez pour pouvoir lui sectionner cette partie de son anatomie. Grey's Anatomy. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y a le poisson. Mais non, mais je veux pas aller sur le poisson. Fous-moi la paix. Dégage le poisson. Ah, oh, mais le poisson qui vient s'inviter dans le combat là. Oh, c'est tous fait éjecter. Je sais pas qui m'a éjecté, mais en tout cas, j'ai pas perdu de dégâts. Regardez ce poisson au-dessus de lui. Ouais. Oh là 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 là, mais ce jeu. Oh, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Est-ce qu'il y a sur la mission dans Dauntless aussi quand j'ai pas joué à Dauntless? Non, à chaque fois sur la map, il y a qu'un seul. Ah, d'accord. Tu vas chasser un monstre classique qui décide à... Il n'y a pas ce côté écosystème. Ah, j'avoue. Monster Hunter, il y en a qui jouent que pour le lore, c'est pour te dire des fois. Moi, je trouve ça cool. Un. Ouais, et deux. Le plaisir de jeu est différent. C'est juste le jeu qui va sortir, tu sais, t'as envie de jouer vite fait une soirée avec tes potes de temps en temps. Ouais. Parfait. Parce que bah par exemple t'as pas les 5 heures de farm de d'herbe, d'œufs. Ouais. Tu vois, le jeu démarre tout de suite. Ouais, ouais, je vois. Et là, t'as Nelvis. Vous savez, détruire des espèces en voie d'extinction, même dans un jeu vidéo, c'est incité au braconnage et à l'horreur. Merci Nelvis. il te pourrit quoi qu'il arrive dans ta vie. Vous savez, pour produire le CD qui vous sert à tourner cette bêta de Monster Hunter. L'extension elle est pas sortie, elle sort en septembre, là c'est la bêta. Yes. Il reste une dizaine de minutes. Non, relancer. Rien du tout. Ouais. Hop. Ok, j'ai ça, une dizaine de minutes. On est bien. Pokémon, c'est du braconnage aussi, j'aime. Non, je ne veux pas acheter le jeu. Je veux juste relancer la mission avec le Tigrex. Et on a une dizaine de minutes pour tuer le Tigrex. Easy. Surtout si on a des bons chasseurs qui savent chasser. Oh, ils sont là, les gars! Ah, par contre, le Tigrex. Comment je tigre? Le Tigrex pas avec Glanjanat. Legiana. Legiana, il me donne quoi, Legiana? Oh, allez, je mets Legiana juste parce que c'est stylé. C'est pour vous, hein. Ah là, tu mets l'armure en entière. Ouais, parce que. Pour te faire plaisir, si t'as eu. Regardez, on dirait vraiment un chevalier du Zodiac. Ouais. Alors, c'est quoi comme skill? Invulnérabilité, athlète, halo de guérison. Bon, c'est un peu pourri, mais. C'est bon, ça ira. Notez qu'il reste encore une place, hein. C'est toujours mieux. Hein. Fibre Tigrex, c'est ça. Si vous voulez vous dépêcher, c'est trop tard, on le fera à 3. Bon, les gars, juste une précision. On a tous des putains de couteaux à paralysie. Donc, j'y vais en 1, je le paralyse en premier. Ensuite, un deuxième le paralysera, puis le troisième le paralysera. Puis ensuite, on enchaînera aussi le poison. Ça va aller beaucoup plus vite de le tuer. Puis on posera les pièges et on se le fera... solo one kill. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Tigrexon. Je vous donne le premier résultat. Et Google? C'est un vrai problème. Hein. Oui, tu sais que depuis ce matin, c'est la 5 ou 6ème fois qu'il se lance tout seul. Hein. C'est vrai. Et encore, t'as de la chance. Toi, c'est. Ah non, c'est aussi un téléphone chinois. En fait, là, Shenzhen, t'as entendu. Ouais. Bah, s'il pouvait arrêter de lancer. Comment on peut le désactiver l'assistant Google là? Bien sûr. C'est plus haut parce que c'est pas un truc que je fais, mais tu dois trouver ça quelque part sans problème. Très bonne IA en attendant. Hein. Celle de Google. Ouais. Elle se débrouille pas mal. Twilili. Donc voilà, on est sur la quête du Tigrex, donc c'est le monstre un peu énervé. Ouais, c'est celui que Derive a battu ou pas? Ouais. Il l'a solo. Ouais. Là, on est 3. Ça devrait bien se passer. Notre cher Hunter sait visiblement où se rendre. On va le suivre. Juste, je vais boire un petit coup. À la maison, il y a du pain, du vin, du saucisson. Hop. Bing. Parfait. La boisson, histoire de ne pas prendre le froid, même si le Tigrex, de toute façon, fait du froid. En mode assez désagréable. Une potion secrète ici, ça peut sauver des vies. Je vais la mettre en OS. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'endroits pour t'accrocher hein, dans le jeu. Hein. Il y a un nombre de prises...
assez hallucinante, notamment dans les grottes. Ah là, toute cette partie de glace là. Ouais, c'est beau. Hein. Vraiment le jeu de la Yves. Tu vois là par exemple. Hop là, tu vois, tu peux scalgrapper. La bêta prendra fin dans 10 minutes. On a 10 minutes pour tuer le Tigrex. On est chaud. Tout va bien. Alors, est-ce que si je passe sur le geyser. Hop là! Oui, ça a marché! Bien sûr que ça a marché, mon gars! Oh là là, il va même pas avoir le temps de crier qu'il va être au sol. Ah, ça va être bon, ça. Tiens. Et je vais le reparalyser juste après. Ah oui, il va prendre la max. Un. Paf! Tommy, pleine figure. Hop là. On maîtrise là. Et... Voilà. Oh, merci. Par contre, il y a le backdash. Il va crier. Base. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Bien, nous allons paralyser le Tigrex. C'est ça que l'on va faire. On va paralyser vraiment le malin avec ses crocs là. Là. Et voilà, il est paralysé. Et grâce à mon attaque, je peux en plus retaper de la paralysie. Bon, par contre, ouais, le backdash du Tigrex, c'est bien. Et là, il hurle. Avec eux, tu peux utiliser les geysers hein, pour lui sauter dessus. C'est assez ouf. Les triangles autour, j'ai l'impression que ce sont les parties vulnérables, Ken. Ah. J'ai l'impression que j'ai regardé, j'ai fait attention, quand tu touchais le corps, ça ne sautait pas les triangles. D'accord. Ça avait bien dit. Ah ouais, mais normalement, c'est les parties vulnérables, les dégâts sont en jeu. Non, non, ça c'est les coups critiques. C'est pas pareil que les parties vulnérables. Reparalyser la bestiole. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu peux très bien toucher l'orteil en coup critique. 100%. Là, si tu fais en plus jaune et triangle, alors là, c'est pas mal. Je pense qu'ils ont rajouté ça pour une question pareille d'accessibilité encore plus avancée, quoi, ce qui est très très bien. Vous pouvez paralyser la bestiole, hein, n'hésitez pas. Ouf. Oh, pas mal. Il y a quelqu'un qui a posé un geyser. Deux soins. Lac, lac. Oh, je vais être obligé de rouler, je pense. Ah, ça paralyse pas, se utilise pas les couteaux, se utilise pas l'armement mis à ta disposition. C'est un problème. Parce que quand il est en colère, lui, c'est vraiment chiant. Ah, je crois que je l'ai empoisonné. Touche la queue, touche la queue. Oui. Oh là là là, je suis un peu dans la merde. On va mettre la garde. Et j'ai bien fait de mettre la garde. 100% bonne garde. Hein. Brigitte la bonne garde. Hop là. Ah mais tac bordel. Ah mais j'étais même pas dans sa hitbox. Oh mon dieu, un tour de terrain, oui. Paf. Oh là 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 là. Le meilleur jeu du monde, hein. On l'avait dit. Hein. Voilà, t'as raison, fais-toi mal tout seul. Ouah, d'où tu m'as éjecté? Laisse-moi ta queue. Hop, on va résister quand même un peu. Ah, je vais cancel son attaque. Hunter qui est triste. Mais ne sois pas triste, ça arrive à tout le monde. Laisse-moi. Ah, merci. Merci en tout cas à Dragon qui est en train de tellement le touiller. Que ce dernier en souffre quand même pas mal. On va essayer de mettre un max. On ne voit pas le temps de charger. Voilà, j'ai mis un petit 300 dans la queue. C'est toujours très utile. Bon, bah, il a bien anticipé. Et là, il va crier. Il aurait pu rouler simple, mais il a fait un splash. Ce qui est un peu dommage. Ça fuit là, hein. Ça fuit, hein. Ça se casse. Hop là. Scale, grappin. Oula, 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 on se détend. Attends, j'étais juste en train de te suivre. Wow, 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 wow.
On va poser un petit piège là. Hein. Là. Et un petit 470 dans les dents. On a eu des bons barils, de toute façon, souvent ils se les bouffent, les bons barils, hein. C'est assez gratos. Tu te mets là, tu mets la garde et BAM. Quel abruti ce monstre. Ah non, 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 je veux pas disparaître. Non, 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 je veux pas disparaître. Non. Ça m'est arrivé tellement de fois quand j'ai vu ça. Ah putain. Bordel. Le karma, c'est ça. Le karma. Ah là là. Dégoûté. Il te reste 2 minutes. Ah, il me reste 2 minutes. On va essayer de l'abattre, mais je promets rien. Hein. Franchement, on est en train de tout donner. Hein. T'avais des prémices de ta disparition. Je veux dire, tu savais qu'il y avait quelque chose qui te laissait. Tu vois la zone. Ah oui, d'accord. Ça fait ça. Ouais. Je sais pas si on peut faire tomber les mouvements. À chaque fois, je les vois sauter. Ah, c'est 100% pendant la queue. Oh, il est paralysé. Pas paralysé longtemps maintenant. On roule parce que sinon ça fait mal. Il est en colère, le petit monstre. Il est en colère. Ah oui, d'accord. Bon, du coup, je vais rentrer dedans. C'était en effet plus simple. J'adore les SAV, putain. Mais qu'est-ce que tu as encore de SAV, petit avion? Je ne charge pas, ne paniquez pas. J'ai acheté de la bonne RAM pour ma seconde machine. Oh, chut. Il me fallait 4 barrettes de RAM. Et une ou deux. Et il s'avère que le kit de RAM que j'ai acheté, dès que je charge un peu le PC, freeze. Ah merde, donc les barrettes sont de l'autre. Donc comme je savais qu'ils allaient me faire chier, j'ai fait un diagnostic de mémoire, je leur ai fait tous les tests que j'avais fait pour bien leur dire c'est les barrettes, voilà, comme ça. Et la première chose qu'ils me demandent, avez-vous testé la mémoire? Voilà. Ils sont cons. Mais c'est logique. En fait, ils ont des protocoles tellement précis. Non, mais c'est-à-dire que j'ai t'as envoyé le truc, écrit, quoi. Mais je sais. J'ai copié le rapport, quoi, qui dit qu'il y a des problèmes. Ils ont même pas lu ton message, en fait. Non, ils ont leur barrette de test à te faire, ils vont te les faire faire, ils sont chiants. Oui, j'ai bien dit que j'ai rebranché les anciennes barrettes, le PC tourne sans problème depuis. Attends, on est deux sur le monstre. Les gens se plaignent parce qu'ils m'entendent pas. Eh ben, écoutez mieux. Comment ça, on t'entend pas? Salut les ZK. Je viens de relancer le jeu après 7 mois, ils m'ont proposé une quête Théostra plus une Astra dans l'arène. Ah ouais. Ben je me suis fait soulever. J'avoue, ouais, pas drôle, ouais. Ouais, j'avoue. 1, 2, 3. Petite queue. Oh. Voilà mon gars. Merci. Il est officiellement pas bien. Ah, il veut pas qu'on soit tous les deux au même endroit. Hein? Pas bouger. Bah, il bouge quand même. Hein. Il bouge quand même, mais bon. Oh là là, mais il est en train de boiter et la bêta est bientôt terminée. Non, t'en restes en 10 minutes. Non, mais de quoi? De bêta? De non, quoi? Non, pas de bêta. Ça, c'est laissez-moi pas tuer mon monstre. Sinon, je n'achète pas votre jeu. Et d'ailleurs, sachez que de base, j'essaye de capturer les monstres, mais la dernière zone, terrible. Oh, le bagdash, je le prends pas. Oh là là, mais c'est tellement terrible pour le monstre, j'ai pas pris son bagdash. Oh, c'est bientôt fini. Attention les dégâts. Oh là, sans la queue, ce n'est plus du tout impressionnant, ça, monsieur. Allez, ah si, quand même. Meurs. Il faut mourir, monsieur. Le type là, invincible, permet d'éviter la mort. On aura apprécié le mouvement. On me dit c'est pas conseillé d'aller chercher. Donc on va y aller. Quelle couleur toi, tu comprends que c'est pas conseillé? Rouge. Quand c'est rouge. Ah, quand c'est orange, généralement, c'est un peu... Mais arrête de boiter à l'autre bout du monde, toi! Une boisson chaude là qui traîne. Pas con. Laissez-nous en finir avec le monstre. J'ai pas quelques filtres aussi là. Je vais mettre quelques filtres. Voilà. Petit filtre de métal.
Petite filtre du diable. Donc là, hop, je lime un coup. Ensuite, il y a aiguisage rapide à tous les coups. Et non, dommage. J'aurais bien voulu un petit féline aiguisage. Mais on y croit à mort. Mesdames et messieurs, il dort ? Il fait quoi ? Oh là là. Il a mis des bombes. Où sont mes bombes ? Bon, j'ai que des bombes de merde, mais c'est pas grave. Hop. Oh bah oui, bah faites-le péter ! Bah non, mais c'est toi, t'as mis des petites bombes. Et alors ? Bah les petites bombes, c'est des mèches. Ah d'accord. Bon bah je... Les petites bombes, c'est des mèches. Les petites bombes, tu les mets et direct, elles partent. Ah ouais ? Oui. Je l'aime pas. Étant donné que je n'ai absolument jamais utilisé, il semblerait... Tu n'arrives pas très bien. Que j'ai mal. Mais tout va bien. Tout va bien, car comme vous le voyez, j'utilise mes ressources pleinement. Allez, saute. Voilà, c'est ça. C'est toi, ça. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, là, je pense. Qu'est-ce qu'on se marre. Ah, il y a un décès. Oh non, vas-y. S'il te plaît, Tigrex. Ah, il est vraiment terrible quand il est au zéro de vital. Hein. Oh, mais au début. Ouais. Non, moi, je trouve ça va. J'en ai déjà fait plein, mais... Ah, c'est pas... C'est un monstre qui est connu comme... un truc qui bouge beaucoup, qui attaque beaucoup. Voilà, quoi. C'est vrai. Voilà, j'ai voulu esquiver son cri, mais là, il a réussi à repasser en rage. C'est pas possible, son zéro de vital est trop grand. Oups. Ouais, c'est un peu en ouf. J'avoue. Ouais, je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai voulu tester. Prendre une petite potion, ça peut être. T'as tué toutes les navicioles de la main. Du coup, ça va passer, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça coûte rien. Nelvis va dire. Ouais. Mon dieu. Les navicioles permettaient l'écosystème. Capcom. Tant que moi-même. Et une navicieule. Je suis moins mal identifié. Ouh, il m'a anti-air. On va peut-être mettre la garde là. Non, c'est bon. Non, c'est bon, il va mourir. Il s'est cramé. On va bien voulu lui mettre un petit coup final, mais visiblement, Dragon n'est pas d'accord. Dragon a dit, eh bien, non. Oh, tu penses. Oh, ouais, il est un peu énervé. Oh, tu prends très cher. Ouais, on va se calmer, monsieur, là. Paston, hein. Oh. Efra ! Moi aussi, je suis mort. Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, mais c'est incroyable. Fra ! J'ai mal. Alors, est-ce qu'on peut avoir le temps d'aller lui faire un petit coucou avant qu'il ne se fasse Signed ? Ouais, j'ai voulu faire le malin. 7 essais restants. Ah oui, normalement, au bout de 3 essais, t'es mort, mais... Enfin, au bout de 3 morts, t'es mort, mais là, ils ont été généreux. Oui, t'en as 10, je crois. Ouais. 10 ou 9. Ils ont été vraiment généreux. J'ai de la méga potion ici, je vais en mettre la méga potion. Non, mais sans déconner, enfin, tu comprends bien que le zéro de vital du monstre est débile. C'est bizarre, tu l'as touché ou tu l'as pas touché. Allez, c'est bon, on va crever. Ouais, dans les dents. T'as raison, ils doivent laisser le combat se finir. Je pense que c'était déjà fini normalement. Ah oui, la session est lancée, oui, c'est juste que tu peux pas relancer de nouvelles. Ouais. Non, c'est pas des monstres, hein. Ah voilà, je l'ai tué à coup de grappin, de scale grappin. Il a vraiment fallu que je prenne cette vieille mort dégueulasse. Mais tout ça ne serait jamais arrivé parce que je vous dis un bon gros truc, dans la vraie vie, le Tigrex au moment où il était pas bien, là, il boitait, c'était piège, tranc, terminé. Voilà. Ça sert à rien de tuer les monstres. Je ne tue jamais les monstres, faut le savoir. Bah, si je peux ne pas le tuer, je ne tue pas. Ça dépend quel objet t'as besoin. En vrai, il n'y a quasiment plus aucun loot qui est vraiment... En fait, c'est les taux de drop qui sont différents. Il n'y a quasiment plus aucun loot vraiment en carve très utile. S'il y a quelques gemmes en carve, t'as 2% de chance, tu vois. Tu peux te donner des chances en plus, mais en vrai, ça va tellement plus vite de capturer le monstre que de t'infliger ça. Mais ouais... Dans la vraie vie. Bah oui, dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on serait tous morts, hein, face à ce truc-là. Mais non. Il n'est pas dit, au début, 10 minutes, c'est easy pour le battre. Ben, on a mis 15, hein. C'est guère plus. En tout cas, on a tout récupéré de la bêta. Voilà, disponible en précommande. C'est très bien. Tu veux pas acheter le jeu ?
Bah bravo. J'ai déjà le jeu, j'ai déjà acheté. Je te ramène une petite collector japonaise. T'as ça toi? Bah je vais au Japon pour la sortie moi. Mais oui. Oh mais ça va te prendre trop de place. Bah, faut qu'on en parle de la technique, la valise, ah. La ramener, comment, par où, par qui. Tu veux que je t'explique? Ouais, faudra qu'on en parle. Ah, je t'en parlerai. Bien sûr, je t'en parlerai. Voilà, c'est quoi l'annonce de midi? L'annonce de midi, c'est que Titavion n'est pas venu les mains vides. Non. Il n'est pas venu les mains vides, il est venu avec quelque chose pour vous faire plaisir, car il aime beaucoup le chat du stream. Et vous savez, en cette surtout époque... Surtout quand il tweet Panta sur Teamfight Tactics. Aussi. En cette époque recluée de... Mais ça, c'est vraiment nul, ça. De comment... De vie intersidérale, j'ai envie de dire. En cette époque recluée de Japan Expo bientôt, Titavion est venu nous apporter ceci. Ce magnifique édition deluxe de Berserk. Kentaro Miura. Relié cuir, mon gars. C'est du coup graphique novel Dark Horse Manga. C'est Dark Horse Manga Dark qui Horse. Fait ça aux États-Unis. Dark Horse, tiens. Ouais, ça vaut $50. Et mon gars, ça a l'air massif, non? Ouais. Ce qui est bien, c'est que bah, du coup, les dessins, les traits sont grands, quoi. Ah oui, ça commence par des choses qu'on peut montrer, c'est ça qui est bien. Hop, j'avais oublié à quel point Berserk c'était ça. Oh là là, mais la taille des dessins! Alors, est-ce que t'as les pages couleurs avec, évidemment? Non? Les pages couleurs? Y'a pas de pages couleurs? Non, bah t'as les. Tu sais, t'as les illustrations des mangas qui sont à la fin, tu sais, les couvertures. Y'a pas les pages en couleurs? Y'avait des pages en couleurs? Oh! Y'a des pages en couleurs? Je sens la déception dans ton cœur. Bah, pages... tout ça là, c'est en couleurs là. Ça, c'est en couleurs. Ça, c'est en couleurs aussi. Pourquoi ça me dit rien, moi, en couleurs dans les éditions que j'ai lues? Oh! Y'a pas les pages en couleur dans cette collector, dans cette édition de luxe? Mais en quoi c'est de luxe?